Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur plateforme nan. Yo l'autre fois encore, c'est avec un immense et réel plaisir nous rejoignons. Et ceci nous pourra la continuer partager actualité ensemble avec vous. Nous dit bon Dieu merci parce que lui fait nous grâce et lui ban nous encore une autre opportunité et privilège et pour nous capables là dans le moment ça sur plateforme senti bon pour nous parler de l'actualité. Si vous regardez nous pour la première fois et ou capable essayer cliquer sur abonner activer petite cloche là pour pas perdre une vidéo que d'avoir gagné pour nous publier pour vous dans les prochaines heures. Mes chers amis, nous allons parler jeudi de actualité bateau russe qui kembe jusqu'à maintenant dans le pays République Dominicaine. Par rapport à ça qui sorti demain jeudi bateau on pourra gagner un mois dans la mer dominicain au côté que touristes yo utiliser bateau ça en pile pour yo capable faire de très belles photos. Moi pour dire nous pour qui ça et finalement on va parler antical de façon Haïti lui-même Haïti fait prend et fait monter dans rang là et yo fait une investigation avec 86 pays dans le monde là. Haïti c'est cinquième pays et ben qui gagne un bit qui vraiment est raisonnable par rapport à investigation. Ça veut dire monsieur nous gagne Baton Moïse qui est raisonnable en grande majorité. Troisième point on va gagner pour nous parler yontical dans vidéo ça n'a va faire une petite réflexion sur déclaration Nayib Bukele président Salvador. Et puis, na opiné sous pays, comment ça t'a doué. Sans que nous pas perdre du temps, nous pourrons entrer directement dans le premier thème, nan, qui c'est bateau russe, qui sous la mer et, République Dominicaine. Normalement, pour mal la caille, moi, obligé de traverser un pont qui est le pont flottant. Et c'est un pont qui fait sous la mer. Et pont ça qui sous la mer, parfois, et sous de l'eau, pardon, yon branche. Et chaque fois qu'un bateau peut l'entrer, l'eau a qu'on trop bouché et pour en jeter, il y a une façon pour ouvrir pour un. Ça veut dire pour en déconnecter, pour l'eau en passer finalement, il y a remetté pour encore et ça fait y aurait le pont flottant. Et c'est bon pont flottant, moi toujours passé pour moi aller à la caille, pour moi sortir. Et ça fait mon grand plaisir parce que presque chaque jour je passe mon bateau. Et j'en ai regardé là, ça c'est image bateau. Et nous avons gardé pont flottant déjà. Eh bien, par un accord international qui signe du gouvernement des États-Unis et du gouvernement de la République dominicaine, bateau ça c'est pour une association. Et ceci, il y a investigué bateau pour y avoir. Et après investigation, il va décider qui ça va faire avec elle. Mais jusqu'à maintenant, c'est les États-Unis qui demandent pour Dominicain, qu'est-ce bateau ça. Deuxième bagarre avec bateau ça. Et pas oublier, nous te dire ça tout à l'heure. Et nous, ouais, touristes ont fait un pile photo avec bateau. Bateau ça, son bateau qui gagne 4 étages là-dedans. Il gagne 2 grandes piscines. Il gagne 2 AE Santare hélicoptères. Espace pour hélicoptère descend là dani. J'en ai regardé là et bateau ça li gagne une technologie extraordinaire en dans et c'est ça qui intéresse monsieur. En passant forme dit nous tout Almay Finkembe yon nan pi gros bateau qui gagne dans monde là qui c'est bateau russe. Baga la pour le dégénérer. Bon, et y a investigué demain si Dieu veut bay bateau a yon mwa nan rade Santo Domingo an nous suivre pour nous voir enfin qui ça qui parle souti. Deuxième point pour actualité nous jodi an Haïti parmi 86 pays yo réalisé yon étude pour nèg ki gen pi gros bit et nèg ki gen pi gros bit ça veut dire nèg ki gen pi gros bâton Moïse et Haïti jwenn en 5e position. Équateur qui gen yon différence de 7 pouces et 47. On bagaille comme ça. Et puis Haïti, les mêmes, ils ont 6 pouces 5. C'est comme si m'ta dit Haïti parmi les 5 pays, Bolivie, Équateur, Cameroun, Burundi. Et ça veut dire que c'est 5 pays, ça y est, côté que non monde là, qui gagne plus gros bit.
États-Unis viennent bien sûr 57e position avec un bid de 4 pouces. Ça veut dire next ça yo pas gagne bâton Moïse. Nous réci bonjour là et nous mesdames haïtiennes yo là imposer nous caler con nous parce que monsieur yo gagne bid pour gérer les bagailles. Troisième point nous pour et accentuer sous lila, c'est la déclaration du président du Salvador, Nayib Bukele, un jeune qui âgé qui n'a 30 ans yo. Et monsieur t'a présenté un discours pour dire que Salvador doit prendre comme modèle les autres pays de l'Amérique pour et même de la Caraïbe. Parmi modèles que lui prend République Dominicaine et puis finalement dit à son grand étonnement, l'ont traversé frontière au jeune la République d'Haïti qui sautille en honte pour région. Mais Nayib Bukele pour dire un bagage qui est intéressant. C'est l'elle dit les leaders haïtiens sont des hommes, sont des politiciens qui ont la tête. Waouh, m'baka di moi non. Me senti li gros nèg comme si me senti son honte pour m'ap dil. Bon, m'ap la gueule parce que c'est ça qui pourrait aider nous prendre conscience. Nayib Bukele dit raison fait Haïti comme ça c'est parce que politiciens haïtiens yo tête yo vide. Ce sont des voleurs à tête vide. En espagnol, il dit comment son líderes políticos de cabezas vacías. Oye eso, ladrones de cabezas vacías. Ce sont des voleurs à tête vide. Parce que Nayib Bukele finit par comprendre que nous pas qu'à partager frontière avec République Dominicaine et puis nous pas même qu'à maintenir. Nous pas même qu'à maintenir. Ça fait l'aide. En tout cas, c'est toute information que nous gagnons pour jeudi. Hein. Nous pourrons mettre fin dans la vidéo. Nous allons retourner dans un petit temps qui n'est pas trop long pour une autre vidéo qui est beaucoup plus intéressante. Nous pourrons quitter ensemble avec un petit bout de vidéo ça. Sous pour flottant, côté que et bateau russe lui-même, li campé. Et bien, nous montrons li bateau russe li tout prêt pour. Hein. Et tout bagay ou avoir ouais que nous même l'en parler c'est pas dindi c'est pas photo nous prend et l'autre photo pour nous dire non nous prend des photos et nous prend vidéo à tout nous montrer pour nous dire nous passer presque chaque jour bon côté bateau hier dans Santo Domingo. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral tant que va le moral tout va. Bonjour, au revoir.